De 2001 à 2017, David Pujada était l'une des figures incontournables de France 2. Le journaliste y a présenté toutes ces années le journal de 20 heures, détenant encore aujourd'hui sur cette chaîne le record de longévité à ce poste. Tous les soirs invité dans le quotidien des Français, David Pujada avait réussi à les tromper pendant plusieurs jours en 2008. À l'époque, il s'était présenté à l'antenne avec une perruque sur la tête. Il s'en est souvenu samedi 14 janvier lors de son passage dans l'émission On refait la télé d'Éric Dussard et Jadé a expliqué les raisons derrière cet artifice. Si est-il un gros loupé chez le coiffeur survenu lors de vacances à Périgueux, en Dordogne, qu'il avait poussé à prendre une perruque. Vous savez, on a tous sans doute ces petites habitudes. J'ai mon coiffeur habituel, il connaît ma coupe, etc. Et là, il se trouvait que je n'étais pas à Paris et je rentrais trop juste pour aller le voir. J'avais les cheveux jusqu'aux épaules. Donc, je n'allais pas présenter le journal comme ça, donc je vais voir un coiffeur que je ne connaissais pas. Je rêvasse un peu, et quand je me réveille, je vois qu'il m'a fait une coupe. C'était le 21e RIMA, le 21e Régiment d'Infanterie de Marine, note de la rédaction, version dure. Il n'y avait plus rien, panique à bord, a-t-il rapporté, amusé par ce souvenir. Dès son retour à Paris, David Pujada n'avait alors qu'une chose en tête, limiter les dégâts. Donc dès le lundi je me renseigne, je fais le tour de tout, et je trouve un perruquier qui m'en trouve une avec des cheveux à peu près corrects. Pendant 15 jours, j'ai porté cette perruque, personne ne s'en est rendu compte. Je ne l'ai dit à personne et je crois que même les maquilleuses ne s'en sont pas rendues compte, a-t-il indiqué. Une anecdote qu'il avait déjà racontée en 2018 dans cet aveu. Anne-Elisabeth Lemoine et ses équipes avaient alors remis la main sur les images d'archives de l'époque et il est vrai que la perruque de David Pujada était très réussie car il était impossible de la distinguer. Voir notre diaporama.